Chers amis, bonjour, j'aimerais vous raconter une histoire incroyable. On est le 7 octobre 2023 en Israël. Vous connaissez cette date? L'aube du matin chasse les derniers nuages de la nuit dans le ciel israélien. C'est en même temps Shabbat et c'est en même temps la fête de Simchat Torah, un jour de grande joie et de repos en Israël. Yuval fait la grasse matinée parce qu'il n'est pas religieux, il n'est pas pratiquant, il compte pas aller à la synagogue. Il profite tranquillement de ce jour de congé pour se prélasser un peu dans son lit. Et voilà qu'Yuval et sa femme Adèle se réveillent en sursaut. Les sirènes du kibboutz retentissent. Ça prévient des tirs de roquettes, sans doute en provenance de la ville de Gaza, seulement 9 km de son lieu d'habitation, le kibboutz, Be'eri, que vous connaissez maintenant malheureusement trop. Les parents se précipitent, prennent leurs jumeaux âgés de 3 ans et demi et ils se réfugient dans la chambre forte qu'on a tous ici en Israël et qui s'appelle le Mamad. Et quelques minutes plus tard, Yuval comprend qu'il ne s'agit pas d'une alerte ordinaire. C'est visiblement pas des roquettes qui sont tirées sur leur kibboutz. Il entend clairement des voix étrangères qui hurlent et qui semblent se coordonner, des rafales de mitrailleuses, des explosions. C'est un cauchemar qui semble réel. Il y a des terroristes qui ont fait intrusion dans son kibboutz, le kibboutz Be'eri. Les minutes qui suivent sont décisives pour toute la famille. Yuval, Adèle et leurs enfants attendent angoissés en espérant que l'armée va arriver et neutraliser les terroristes. Les minutes défilent. Chaque seconde semble une éternité dans cette angoisse maximale pour la famille. Les terroristes semblent agir comme bon leur semble. Ils sèment malheureusement la mort et la désolation partout. Et quelques instants plus tard, l'épouvante atteint son paroxysme. Les terroristes sont entrés dans la maison même de Yuval. Il a envie d'hurler, de pleurer. Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? La chambre forte où ils sont terrés est conçue pour protéger ses habitants des tirs de roquettes. Elle n'est pas efficace contre une attaque terrestre. Il n'y a même pas de fermeture à clé possible. Yuval comprend maintenant que sa vie et celle de toute sa famille est en jeu. Il doit réagir, sinon c'est la mort qui les attend. Yuval n'a aucune possibilité de se barricader. Alors il se lève d'un bond et il tient de toutes ses forces la poignée de la chambre forte en position fermée. Les terroristes palestiniens ont des renseignements précis sur chaque maison à cause des travailleurs gazaouis du kibboutz qui ont transmis aux terroristes la composition exacte de chaque foyer. Combien de parents, combien d'enfants, quel âge? L'horreur. Les terroristes comprennent rapidement que la famille se cache dans la chambre forte et ils tentent de forcer la porte. De l'autre côté, Yuval tremble, mais par instinct de survie, sa force se décuple et il parvient à maintenir la porte fermée. Il met tellement de force dans la poignée qu'elle se casse. Les terroristes hurlent de l'autre côté comme des barbares. Ils sont motivés par la haine, ils ont de la cruauté dans les yeux, ils sont énervés de ne pas pouvoir entrer, et dans un élan de rage qui dépasse nos pires cauchemars, ils décident de mettre le feu à la maison. Le domicile de Yuval commence à prendre feu, et quelques minutes plus tard, le pire semble se dessiner. La chambre forte commence à se remplir tout doucement de fumée toxique. Et à nouveau, Yuval et sa famille sont confrontés à la mort. S'ils ne réagissent pas tout de suite, ils vont finir asphyxiés. Yuval dit à sa femme, on n'a que deux solutions, Adèle. Soit on se livre aux terroristes, soit on meurt tous ici dans quelques minutes. Sa femme lui dit, on se livre maintenant. Il faut sortir d'ici au plus vite. Yuval se rend compte que c'est plus possible. La poignée de la porte, elle est cassée, comme on a dit. Ils ne peuvent plus sortir, il ne leur reste qu'une possibilité. Sortir par la fenêtre blindée de la chambre forte qui donne sur la cour extérieure de la maison. Il entend que les terroristes attendent de l'autre côté, mais il n'y a plus le choix. Les deux parents sautent par la fenêtre de 2 mètres de haut, avec chacun un enfant sous le bras. En se relevant de son saut, Yuval constate qu'un groupe terroriste leur fait pratiquement face à une petite dizaine de mètres seulement. Les parents sont paralysés par la peur. Ils sont en train de réaliser qu'ils vivent leurs derniers instants de vie. Mais à ce moment-là où ils s'attendent à être découverts et exécutés par les terroristes, il se passe quelque chose d'inexplicable. Yuval et sa femme regardent les terroristes sans bouger, et les terroristes ne les remarquent même pas, alors qu'ils sont juste à côté. Yuval et sa femme se regardent bouche bée, ils comprennent pas comment les terroristes ne les voient pas. Et d'un coup, Adèle regarde instinctivement ses enfants car elle ne les entend plus, et elle se rend compte d'un deuxième phénomène inexplicable. Les jumeaux ne crient pas et ne pleurent pas. Mais à un moment, la maman raconte que l'un d'eux commence à tousser à cause de la fumée de l'incendie et heureusement sa toux n'est pas forte et les terroristes ne l'entendent toujours pas. Yuval tourne sa tête et il voit un seau d'eau à portée de main. Il comprend pas comment ce seau d'eau a atterri ici. Il est sûr d'avoir jamais laissé un seau d'eau dans la cour intérieure de sa maison. Et il a une idée.
Il prend ce seau avec l'eau qu'il contient, il humidifie les vêtements de ses enfants pour fluidifier leur respiration. Yuval n'est pas pratiquant, religieux, mais quelque chose bouge dans sa vision des choses. Il sent là incontestablement, d'après ce qu'il dit, la présence d'Hachem dans cette situation. Il se rend compte, dans tous ces signes, que seule la main de Dieu a pu les sauver jusqu'à maintenant, c'est pas possible. Le danger reste très fort. Yuval, sa femme et ses enfants restent pendant 3 heures au pied de la fenêtre sans bouger. Alors qu'il y a des terroristes partout qui saccagent tout le kibboutz. Au bout de 3 heures, l'étau se resserre encore un petit peu plus. Les terroristes qui étaient partis reviennent sur leurs pas et cette fois, ils ne pourront pas passer à côté de la famille. Les parents sont effrayés et voilà que Adèle, la maman, remarque une grande cavité entre 2 arbres en face d'eux. La famille court se réfugier au bruit des tirs d'armes automatiques autour d'eux. La famille est bien cachée, Yuval en profite pour envoyer un SMS à sa maman pour l'informer que le pire va certainement arriver. Il lui dit « Maman, on est menacé par les terroristes, on a vu des miracles incroyables jusqu'à maintenant, on a pu trouver une cachette, mais c'est sûr qu'ils vont nous trouver et nous abattre. Notre vie est finie, je t'aime maman. » C'est le SMS qu'il a envoyé à sa mère. Quelques secondes plus tard, il reçoit une réponse par SMS de sa maman qui lui dit « Tes 2 sœurs m'ont écrit qu'elles allaient éteindre leur téléphone parce qu'elles prennent sur elles le respect du Shabbat maintenant pour que vous ayez la vie sauve. Tu connais tes sœurs, c'est très difficile pour elles, elles le font pour vous. » Yuval, dans la cachette, pleure en lisant ça. Il récite avec sa femme la prière du Shema Israël. Chaque minute qui passe est encore plus longue que la précédente. Et voilà qu'au bout de 13 heures épouvantables qui leur semblent durer une éternité avec les enfants qui ont faim mais qui ont fini par s'endormir dans leurs bras, des hommes armés finissent par encercler la cavité où ils se sont réfugiés. C'est la fin pour eux, ils pleurent, ils récitent le Shema Israël, mais ce sont des soldats israéliens qui apparaissent. Les terroristes ne les ont pas trouvés pendant une journée entière. Et finalement, à peine arrivés, les soldats israéliens placent la famille de Yuval en sécurité dans une jeep militaire. Tout le long du trajet vers une base militaire, Yuval et sa femme pleurent à chaudes larmes. Ils ont vécu un véritable miracle alors que leur maison a pris feu et que le kibboutz a subi un massacre d'une cruauté unique. Yuval s'arrête, il reprend son calme, il prie Hachem et Yuval dit à voix haute « Je fais teshuva entièrement. Hachem, je vais m'attacher à ta Torah. J'ai vu de mes yeux comment tu nous as sauvés aujourd'hui d'une mort certaine. » Et dès le lendemain, il demande aux militaires où est-ce qu'il peut acheter sa propre paire de téphilines, les phylactères, que chaque juif homme met chaque jour, excepté Shabbat et jour de fête. Cette histoire s'est passée le 7 octobre 2023, une journée de pogrom, où plus de 1000 personnes ont perdu la vie en Israël. Yuval et sa famille ont vécu une journée de succession de miracles, sans doute grâce à la résolution de ses sœurs de garder le Shabbat. Comme de nombreux témoignages l'attestent, le mérite du Shabbat a protégé de nombreuses vies au cours de cette journée. Shabbat est, comme nous le disons, le Mekor Abracha, la source de toute bénédiction dans ce monde. Yuval et sa femme l'ont vécu et ils avancent désormais avec confiance sur le chemin de la Torah. Magnifique histoire. Shabbat Shalom.